Châteaubriand, c'est effectivement un festival qui repose beaucoup sur les activités des gens qui y participent. Tant sur la forme que sur le fond, cette chose-là est présente. Sur la forme, dans le sens où le festival est organisé par des gens qui sont autogestionnaires et qui publiquement proposent des réunions d'organisation qui sont effectivement publiques. Donc il y a un appel qui se fait en amont pour que toutes ces choses-là, de la programmation à la situation du festival, aux emplacements des différents stands, les personnes sont conviées à participer à ça. Donc il y a une attitude, disons, en tout cas de participative. Après, plus précisément, effectivement, concernant les contenus, nous sommes partenaires de différentes associations, dont l'EDEC, AIODC, qui propose un atelier participatif pour la construction du mobilier du festival. Ça comprend des chaises, des bancs, des tables, différents mobiliers urbains qui nous permettent de pratiquer nos activités. Parmi ces activités, beaucoup d'entre elles sont elles aussi également participatives, comme la radio, où les associations et les individus du quartier sont conviés à venir écouter ou participer. Également, un certain nombre d'ateliers sont proposés sur place, notamment les ateliers radio, mais pas que. Il y a ensuite encore un free shop qui est mis à disposition des personnes qui souhaitent faire des dons. Et puis à côté du free shop, différentes autres activités où les gens sont vraiment conviés à venir et à participer au truc. Je pense aux échanges de livres, aux livres à prix libre également, et à différentes choses comme ça. Ok, et ce free shop, donc qu'est-ce que les gens amènent par exemple? Alors il y a vraiment un peu tout. Nous on essaie quand même d'orienter pour ne pas avoir à la fin du festival des choses qui nous resteraient détritus entre guillemets. Ce qui n'est jamais le cas puisqu'ensuite on ventile ça dans d'autres free shops qui existent dans la ville de Genève. Donc ça les alimente, donc c'est plutôt sympa. On met en général la priorité sur des habits, CD, DVD, des petits objets utiles de la vie quotidienne. Et puis toute une partie, graines, plantes et puis petites décorations. Donc la plupart des choses qui sont amenées, ce qui reste à la fin de ce festival en fait, est amené à d'autres free shops. Donc c'est que tout ça est calculé en amont, au moment des réunions justement publiques où des gens sont invités à venir participer en tant que bénévole ou en tant que membre actif de la chose, nous on dit toujours venez tenter une expérience en autogestion, et bien à ce moment-là on a déjà calé avec différents free shops quelques fois, il y en a par exemple deux au petit Lancy. Pour ne citer que ceux-là, c'est ceux vers lesquels on va le plus souvent, il y en a d'autres un petit peu ailleurs. Et ils sont là de façon permanente, enfin ils sont là sur le voilà, de la exactement, ouais. Okay. Ah ouais. Et puis pour les choses, ce qui reste à la fin du festival, qui ne peut pas être amené à ce free shop, qui n'est pas le genre de choses... Alors tout est ventilé, hein. Comme c'est une association qui vit avec, en ayant comme postulat d'avoir une empreinte écolo la moindre possible, tout est soit réutilisé, tout est soit stocké, en vue d'être transformé pour d'autres activités de l'association par la suite. Parce que tu es le tout l'idée du Do It Yourself Festival. Ouais. Du coup, ouais, donc là, on a déjà... Donc, il y a pas mal d'idées alternatives. Aussi, la radio qui oui. Alors, avec le festival. Voilà, alors la radio, elle a différentes... je dirais qu'elle a deux axes qui motivent sa participation au festival. Un, c'est de promouvoir les artistes locaux par le biais d'interviews. Non seulement les artistes locaux, mais également les associations locales. Toutes les associations locales sont conviées en amont également du festival. On fait des affiches qu'on va mettre dans le quartier. Elles sont conviées à venir dire un mot de leurs activités, à se présenter, ainsi que le public. Donc ça permet à ces associations d'émerger dans le tissu associatif du coin. Et puis ça permet à la population de venir dire ses opinions à propos du festival. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ce sont des ateliers que l'on propose, qui vont des plus petits aux plus grands, où là, on propose une initiation aux médias radiophoniques. Comme on fait de la radio libre, c'est tout à fait particulier, c'est pas de la radio telle qu'on l'entend habituellement. Ce sont des longues interviews, des interviews qui sont s'effacent pour que la personne en face puisse vraiment beaucoup parler. Et puis après, il y a toute la partie technique, j'aurais envie de dire, de la radio, montage, mise en ligne, gestion du site internet, toutes ces choses-là qui nous permettent de faire ces ateliers. Donc c'est une radio par internet Alors non, oui, également, et DAB. Deux, ok. Ouais. Donc la DAB étant... C'est la Digital Audio Broadcasting, c'est l'équivalent de la FM contemporaine. Wow. Et il y a aussi on avait vu qu'il y a des ateliers pour enfants pendant le festival. Alors l'année dernière, on n'en a finalement pas fait, mais effectivement, dès qu'on a les forces en présence, en fait tout dépend des forces en présence. Si la population locale arrive et s'investit suffisamment dans le festival, effectivement, il est possible qu'il y ait différents ateliers enfants. On a beaucoup travaillé par exemple avec des ludothèques, où là on faisait... Bon, permettait aux enfants de faire des jeux, mais également des petites constructions. Mais ça, tout dépend. L'année passée, on revenait après 2 années d'absence, ce qui fait que les ateliers enfants n'ont pas eu cours, mais c'est effectivement quelque chose qui est
dirais, en palimpseste, toujours présent dans le festival. Et aussi, dans les autres années, aussi pas l'année passée, mais les autres années, il y avait un thème, il y a un thème au festival. Oui, alors il y a une ligne conductrice, une ligne rouge, sur vraiment un sujet sociétal en général. Alors ça a été par exemple le foot à l'époque où il y avait l'Eurofoot par ici. Et puis à chaque fois on brode un peu autour de ça. C'est plutôt pour nous donner un alibi et puis pour nous donner une excuse pour aller vers les gens. Parce que là aussi, juste un dernier mot par rapport à ça, c'est vrai qu'on invite vraiment la population à participer au festival. Ce que je veux dire par là, c'est que quelques semaines avant le festival, on fait vraiment une campagne d'affichage dans les allées où là on met vraiment un mot en disant voilà, le festival va avoir lieu, voici les informations, voici les réunions publiques auxquelles vous pouvez encore participer. Donc vous pouvez encore être partie prenante du festival. Et puis si jamais pendant le festival, il y a quelque chose qui vous incommode, venez nous dire, n'appelez pas, ça ne sert à rien, vous venez nous voir, on discute. Et si vous ne pouvez pas venir nous voir parce que vous vous sentez un petit peu minorisé, faites-nous un mail où il y a une urne, il y a des trucs tout à fait anonymes qui permettent aux gens de pouvoir intervenir sans ne se mettre en danger. Donc justement, vous avez eu, si on s'intéresse aussi pas mal à ce côté social du festival, vous avez eu des feedbacks positifs des gens ou des plaintes Alors on a eu une plainte, ça fait 2 ans. Après nous, une plainte, ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un festival qui dure 2 semaines. Nous, on est vraiment très attentifs aux gens. Non, la plupart des feedbacks, effectivement, on pourrait le témoigner via la radio parce qu'on a des entretiens avec des gens qui sont venus nous dire qu'ils étaient ravis. La plupart des entretiens sont positifs parce que les gens voient qu'on habite cet espace à un moment donné où il n'y a pas grand-chose. Et puis on est très propositif et très participatif. Donc l'idée vraiment du festival, c'est de le faire avec, c'est de le faire ensemble. C'est deux notions centrales pour le festival, donc les gens s'en aperçoivent assez vite. Après oui, de temps en temps, ça fait un peu de bruit. Mais de plus en plus, on essaye là aussi d'avoir une programmation musicale un peu apaisée. Et puis de moins faire de métal ou punk, ce qui était plus au tout départ du festival. Un peu de... Voilà. Et du coup, du feedback positif, je suppose. Ouais. Ouais, vraiment des feedbacks très positifs des habitants qui sont venus nous dire « Ouais, c'est génial, on dirait un village alternatif, il y a le free shop, il y a la radio. » Ça leur permet de s'exprimer. C'est souvent des gens qui sont en déficit de pouvoir prendre la parole. Et puis, il faut savoir qu'il y a des journées du festival où il n'y a pas de concert le soir. C'est vraiment la radio et les projections qui prennent le pas. Où là, on crée des débats. Où les gens sont vraiment amenés à participer à cette émission de radio, où on a des invités. Je prends l'exemple, puisqu'on est au Paki. Cette année, on a eu l'ADTS, l'Association de défense des travailleuses du sexe. Donc, vous savez, Griselidis Réal et le sang de Griselidis Réal est ici au Paki. La prostitution est une problématique du quartier. Donc là, l'association de défense est venue s'exprimer. Les habitants étaient vraiment enchantés de pouvoir rencontrer sur un autre niveau de langage ces prostituées qui travaillent et qui travaillent. Donc, ils sont aussi dans des conditions difficile et délicate. Ouais, c'est super intéressant ça. Ouais, c'était bien. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'entendre ces gens parler. Les artistes eux-mêmes, les artistes qui viennent, les musiciens. Ça c'est bien, voilà. C'est avec les enfants du festival. Les artistes qui viennent, c'est vous qui allez les chercher ou c'est les artistes eux-mêmes qui viennent? Alors pour tout de nouveau, hein, on essaie de favoriser le côté participatif. Alors, je prends un deuxième exemple, parce que ça m'évoque ça. L'affiche est également organisée sous forme de concours. Alors, un concours de chiale, parce que ça, c'est 2 semaines sur place, on a vraiment fait une aventure ensemble. Et puis, il y a tout le côté, en amont justement, tout le boulot qui a été fait. Donc, c'est vraiment une aventure humaine qui s'est produite. Et chaque année, avec des personnes différentes, mais il y a toujours le même socle. Mais ça touche finalement, j'ai envie de dire, presque autant de monde derrière, soit devant. Parce que comme le public est vraiment amené à être participatif, en fait le public c'est plus un public, c'est des participants. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui sont juste là pour participer. Et du coup à la fin de l'événement, y a des amitiés qui sont créées, je sais pas combien de couples se sont créés. Il y a sûrement peut-être des enfants qui ont été créés là-dedans. Ça, c'est assez marrant. Alors, pardon. Là. Et puis, du coup, il y a un petit bout à la fin qui a été loupé, où on parlait des artistes, justement. Juste pour la programmation musicale, peut-être. La programmation, exactement. Comment vous trouvez des artistes ou comment ils viennent là. Okay. Alors, la programmation du festival, qu'elle soit musicale ou autre, puisque ça n'est effectivement pas que un festival musical, mais également un festival qui touche au théâtre, au cinéma et à différents arts vivants, eh bien, la programmation se fait donc d'une part par un groupe de gens qui peuvent venir à tout moment, qui peuvent intégrer le groupe de programmation qui est composé
par des gens qui ont l'habitude et l'expérience de faire ça, donc ils savent exactement comment faire ça, parce que évidemment c'est des choses qui se font bien en amont, mais qui à tout moment ont cette faculté justement de pouvoir faire trésor de ce qu'amènent les personnes, en termes d'idées, en termes de cohérence dans une programmation, en termes d'équilibre dans une programmation. Donc ça c'est la première partie en termes vraiment d'équipe de programmation. Et puis ensuite, les groupes eux-mêmes, ou les musiciens, les artistes, les cinéastes qui viennent, sont amenés eux aussi à s'exprimer par rapport à ça. Si eux trouvent qu'il manque quelque chose pour que la programmation soit justement pertinente, eh bien ils vont dire oui, mais moi je trouve que c'est pas mal si on appelait cette personne-là pour intervenir par la suite. Soit au moment de l'interview radio, soit comme deuxième groupe de la soirée, soit n'importe comment. Donc on est très très alerte aux différentes suggestions et aux idées qui pourraient émerger des groupes eux-mêmes. Et puis dernière chose, donc on leur tire un grand coup de chapeau à tous ces artistes parce qu'ils viennent quasiment bénévolement. On leur fournit à manger, à boire et un accueil vraiment qu'on essaye d'être le plus chaleureux possible. On les inclut dans le projet, donc ils comprennent cette idée participative, mais ils sont à peine effrayés, pas plus. Et du coup, si un artiste ou un intervenant vient vers vous et puis il dit « j'aime bien votre festival, j'ai envie de participer, peut-être jouer un morceau l'année prochaine, tout ça, ça... » Bienvenue, bienvenue. Ouais. Alors non seulement c'est le cas, mais il faut savoir que pour ce festival-là et pour les festivals qui suivent, sans que le titre notamment, qui est un festival annuel solidaire et athée, eh bien les ingé-sons sont des anciens musiciens de groupes qui ont été programmés. Les membres de l'association La Comète, qui est l'association qui pilote, qui coordonne le festival, sont parmi des anciens artistes qui sont venus au festival. Donc c'est vraiment... Ces personnes-là sont vraiment effectivement sollicitées et invitées à participer au mieux de leurs moyens et de leurs capacités pendant le festival. Génial. Et du coup, dans l'ensemble, il y a à peu près combien de bénévoles dans une année normale? Alors, je peux te donner ce chiffre d'année en année. C'est entre 35 et 40 chaque année, composé par un socle commun qui fait partie de l'association La Comète. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même avoir... concernant l'administratif, hein, les autorisations, c'est compliqué et c'est cher. Donc de ce côté-là, il faut s'organiser vraiment en amont pour pouvoir payer tout ça. Donc il y a un socle commun, je dirais, d'une quinzaine de personnes. Et puis ensuite, une vingtaine de personnes en plus qui sont quand même assez souvent les mêmes, mais qui peuvent changer et qui, quoi qu'il en soit, graviteront. Alors après, tout dépend de leur disponibilité physique et mentale à ce moment-là. Mais voilà, il y a 15 personnes vraiment tout le temps là et puis une vingtaine qui vont et viennent. Ok. Et du coup, avec le fait que c'est gratuit et puis que quand même il faut un petit, c'est peut-être symbolique, mais quand même pour les artistes, tout ouais. ça joue du point de vue financier. On essaie d'aller à l'équilibre, on n'y arrive pas, c'est pas grave. On a la fête de la musique quelques mois avant. Non, en fait, la fête de la musique c'est un mois avant. Ou en général, à ce moment-là, ça nous permet de financer ce festival-là. Donc le fait d'avoir un stand à la fête de la musique nous permet, et puis d'avoir des activités tout au long de l'année nous permet de vaguement financer le truc. Après le bar, on essaie d'avoir quand même des prix vraiment abordables, avec évidemment des boissons locales, enfin on est vraiment attentif à tout ça, ça n'aurait pas de sens sinon. L'idée pour nous c'est vraiment de faire du sens et de créer ce sens. Sans ça, c'est pas un festival pour un festival, je veux dire. C'est une aventure humaine vraiment qui doit avoir cours. On arrive à peine dans les bonnes années à être à l'équilibre, sinon on perd quelques centaines de francs. Mais on s'est fait plaisir, on a vécu une aventure humaine, on a participé au fait que le quartier, à notre sens, trouve un nouvel essor. On dit souvent que le quartier des Paquis, c'est un quartier délicat, compliqué. Non, c'est pas vrai. Nous, on est là deux semaines, il se passe rien. Il y a eu, je crois, ça fait trois ans un vol. Voilà, ça fait trois ans, il y a eu un vol au festival sur deux semaines, c'est tout. Ouais. Donc voilà, pour nous, c'est important aussi de dire, voilà, on le fait avec ou les habitants du quartier, ça se passe vraiment bien. Et du coup, les gens qui viennent à ce festival, justement, c'est majoritairement des gens du quartier ou bien il y a des gens qui viennent de partout? Alors très majoritairement des gens du quartier. Et puis il y a tout le temps les petits fidèles qui nous connaissent au travers des années. Donc des gens de l'usine, des gens de trois lieux comme ça, qui eux viennent nous faire des coucous systématiquement. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi il y a une partie des gens qui vont venir exprès pour un événement. Je parlais des soirées non sonorisées, notamment des soirées où pendant lesquelles on invite des cinéastes à venir présenter leurs films, où on fait beaucoup de radio à ce moment-là. On a des invités qui sont un peu épars sur des thèmes sociétaux mais plus généraux. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des gens qui vont venir de n'importe où, mais vraiment typiquement pour le sujet. Voilà. Mais la très grande majorité du public, c'est vraiment des gens du quartier. Festival local. Vraiment. Bah,
franchement, moi je pense que j'ai posé la plupart des questions que j'avais à poser, c'est super intéressant. J'adore, je suis vraiment surpris en bien de voir ça. On savait que c'était un festival local, mais on ne connaissait pas tant que ça dessus. Là, je vois vraiment tous ces projets qui rentrent là-dedans, ça fait plaisir de voir ça. Bon, alors nous, on ne le dit pas tant que ça. On essaie de le dire au moment où on organise le festival, en créant des... C'est-à-dire qu'on prend un espace, typiquement le pavillon bleu ou bot, où on a un espace où on fait un flyer et on dit voilà, les réunions publiques d'organisation du festival sont ouvertes à toutes et à tous, venez créer ce festival ensemble. Et c'est à partir de ce groupe de gens qui s'implémentent, que le festival va prendre cette mesure-là ou cette mesure-là. Donc tout dépend vraiment de ça. Donc c'est à ce moment-là où nous on fait un petit peu de pub autour de nous, après on n'a pas de grands moyens. Puis c'est une pub qui reste quand même assez locale puisque c'est un festival justement qui a une posture et des dessins locaux. Mais vraiment l'idée c'est que les gens puissent venir et ouais, participer. Et nous on maintient une sorte d'expertise, d'expérience autogestionnaire. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement, de prise de parole un peu charismatique, des choses comme ça. On veut vraiment que ce soit horizontal et surtout faire trésor parce qu'on a conscience que chacune des personnes qui sont ici ont une vie avec une vie, une richesse dans cette vie-là et qu'elle peut être mise à contribution lors de ce festival-là. Non seulement qu'elle peut l'être, mais qu'on a tout intérêt à le faire parce que la personne va se sentir concernée et du coup, beaucoup plus s'y intéresser alors qu'elle ne recevra rien financièrement. Mais humainement, j'espère que de ce côté-là, on s'enrichit. J'imagine. Voilà. Ça fait depuis combien d'années que vous avez commencé ça ? L'année prochaine, ce sera la 9e... 8e édition. En fait, ça devrait être la 9e. On a eu une année d'interruption pour les travaux de la crèche. Donc, on n'a pas pu l'année d'avant. Pas l'année passée, mais l'année d'avant. Et c'est là où il y a eu cette petite rupture de contact avec le public. C'est pas grave. Hein. Mais voilà, donc ce sera le 8e festival l'année prochaine. Okay. Ça se passe toujours ici. Voilà, toujours ici. Donc, à Châteaubriand, au Paquis, derrière le Palais Wilson. Ouais. Moi ça m'intéresse, je vais venir participer, j'ai bien envie. Cool. De la musique et tout, ça a l'air d'être un bon moment. Alors les infos si jamais, www.lacommet.ch, là, quelques mois avant, on y trouve les informations, on peut s'inscrire, envoyer un mail pour être informé de ce qui s'y passe. Voilà. Je te remercie, je vous remercie. Parce qu'on a au bout du compte vu plein de monde, vachement sympa. Mais on veut vraiment ça, on veut pas du tout que ce soit... C'est pour ça que la pub même, on l'a fait assez tard. On n'a pas envie de se faire assommer. Ouais, j'ai fait l'interview l'autre jour de Planet Watt. Parce qu'ils ont fait leurs 10 ans. Et c'est génial, mais ils vont rajouter une scène. Ils vont commencer à faire des prix plus chers. Enfin, ce qui est très bien en soi. Ça dénaturise le... C'est autre chose, c'est autre chose. Et nous, ça, on veut pas. Pas pour celui-là, en tout cas. Ouais. Pourquoi pas pour un autre machin. Mais pour celui-là, c'est tellement important que ce soit un machin sociétal, dans un quartier dit délicat. Ouais, c'est vraiment, c'est autre chose. Donc nous, on le veut comme ça, celui-là, vraiment. Mais on est content, c'est vraiment une fête chaque année. C'est nos vacances. Vraiment, ouais. Ouais. Plutôt que de partir, là, tu pars ici, quoi, tu vois. Ouais. Tu viens en paquet et puis tu rencontres des gens, t'es là, oh mon Dieu. Mmh. Même les municipaux, ils viennent, ils sont tellement gentils, ils viennent vers nous, ils font. Vous inquiétez pas, on check et tout, on a bien vu, vous êtes nickel, au taquet. Non, ça se passe vraiment bien, c'est cool. Mmh. Ouais, c'est bien ça. C'est les vacances. Bah, de base, c'est ça le but d'un festival, quoi. Bah, c'est... Ouais. Ouais, mais on voulait dépasser le simple fait de dire, voilà, vous venez, vous bourrez la gueule et puis vous faites du... Non, mais tu vois, bois des coups, mais on n'a pas envie de gens vraiment complètement ivres et puis, tu vois, qui du coup se fritent avec les gens du quartier parce qu'ils vont aller faire pipi dans un coin ou... Là, on voulait vraiment, l'idée c'était de dire, on fait la fête, ouais, puis on fait la fête, mais ensemble, les gosses, ils sont les bienvenus. Mmh. J'ai pas pensé, mais parmi les stands, on a des activités de massage, des activités de maquillage pour les enfants. Après, tout dépend, s'il y a... 2 semaines, c'est long. Il y a des gens, ils viennent pour 3 jours seulement, tu vois, faire une petite activité de maquillage pour les enfants. Nous, notre atelier radio, on le fait pas tous les jours non plus, on ne pourrait pas. Mais on le fait 2 fois pour les enfants, 2 fois pour les adultes, puis basta. Donc, il y a vraiment des moments où il y a des familles qui se baladent, et c'est génial.